Président, c'est vous en 2006. Je ne te connaissais pas avant, je ne l'avais jamais rencontré. J'étais en vacances ici, chez moi à Tipi Madina, et mon cousin est passé me prendre. Et au début, je ne voulais pas venir à Conakry. J'ai dit, quand à la fin de mes vacances, je viendrai à Conakry pour retourner à ici. Et on ira voir le Premier ministre. Mon père me dit non. Quand le Premier ministre veut vous voir, vous allez. J'ai dit encore. Donc, je suis venu avec mon cousin. Et on l'a rencontré. C'était la première fois que je le voyais. Et la conversation m'a tourné autour du projet. Il m'a parlé du projet de la route entre Koundara et Koumbéou, la Koussitel, jusqu'à la frontière. Et qu'ils ont cherché des financements, ils ne les ont pas trouvés. Et je voulais que moi aussi, je m'implique. Donc j'ai dit, si vous me le demandez, je vais le faire. Je dis, par contre, vos ministres, ils viennent, ils passent mon bureau, ils vont voir mes copains qui sont de l'autre côté, mes collègues, pour parler de projet. Et quand ils s'en vont, mes collègues viennent dans mon bureau, me racontent tout ce qui s'est passé, arrivent là. Et rien ne se passe. Je dis, les ministres guinéens, quand ils vont dans les institutions, ils s'en foutent éperdument des Guinéens qui se trouvent à l'intérieur, à moins qu'on ne veuille les changer. J'ai plusieurs exemples où les ministres sont allés dans les institutions pour dire au président des institutions, si vous voulez les changer, nous avons d'autres qui peuvent venir rester à leur place, mais le plus souvent on leur dit non. Cela, c'est une compétition, ils sont venus, c'est le monde entier. Vous ne pouvez pas les employer avec le compte que vous voulez. Je dis maintenant, si vous me demandez, je vais voir ce que je peux faire. Donc, quand je, après mes vacances, je retourne à Tunis et je provoque une réunion le département des infrastructures. J'avais mon collègue qui s'occupait de route, qui par chance avait travaillé à la baie, un Algérien. Je lui ai parlé, je lui ai dit non, je veux qu'on finance cette route. Il dit ok. Et on fait comment? Donc, on a décidé d'aller par des ressources. Je veux être un peu technique ici, vous allez m'excuser. Il y a le Fonds africain de développement, c'est comme IDA, vous avez pu entendre IDA, la Banque mondiale. C'est des dons que les pays développés font pour ces institutions pour donner aux pays les moins avancés. Donc, à la base, il y a le Fonds africain de développement qui était, moi, quand j'étais là-bas, 9 milliards sur chaque 3 ans. Et qu'on divisait par pays en fonction de la performance du portefeuille, de la gouvernance, la perception de la corruption, la population, et ainsi de suite. Mais il y a toujours une enveloppe qui est mise de côté pour les projets régionaux. Parce que c'est sa mission. Dans le cadre du Népal, la BAD avait obligation de travailler sur l'intégration régionale. Donc, comme c'était entre le Sénégal et la Guinée, on a dit bon, on va prendre l'argent de l'enveloppe régionale et puis on va financer le projet. Donc il fallait m'asseoir à cheval entre le Sénégal et la Guinée. On s'est mis d'accord, on a appelé le Premier ministre en ce moment, c'était Sirou, et on lui a dit. Il dit il s'en occupe. Deux jours plus tard, on a appelé le directeur des investissements au ministère. Il dit, ah oui, il a reçu des instructions du Premier ministre de faire le travail. J'étais impressionné. Okay? L'Afrique, c'est plus de 50 pays. Et c'est la première fois qu'on parlait à un Premier ministre. On appelle un directeur qui n'est même pas ministre qui dit qu'il a reçu des instructions du Premier ministre. Ça m'a impressionné. Donc, et le jour où on a envoyé la mission pour l'évaluation du projet, la délégation guinéenne est partie à Dakar. C'est ce jour où M. Sirou, Dalen a fait son gouvernement pour lequel il avait été destitué. Donc la mission était déjà arrivée à Dakar. Moi, je lui ai envoyé un message pour dire, écoute, je suis à Tunis. Si tu as envie de le poser, tu peux venir chez moi et rester ici aussi longtemps que tu veux. Donc cette conversation qui a eu lui a pris au moins et un an plus tard, il est passé à Tunis. Il a demandé mon support pour aller en politique et ainsi de suite. Bon, on a longuement parlé, je lui ai donné mon support. D'abord, c'était le support intellectuel, et puis après, c'est le support, c'est ma famille. Donc, intellectuellement, je faisais des papiers pour lui, et mes frères, tous sont embarqués. Au début, même quand il allait à New York, c'est ma soeur qui nous préparait à manger.
Et mes frères sont tous impliqués, ma famille s'est impliquée. Et pourquoi j'ai accepté de supporter? J'ai dit, c'est trois raisons fondamentales. Je l'ai observé, j'ai regardé les gens qui étaient autour de lui. Il avait tout le monde autour de lui. Peu, Malinké, Forestier, Soussou. Je dis, si lui, il accède à la magistrature suprême, c'est très bon pour le pays parce qu'il saura être responsable et s'assurer pour le développement du pays, non pas seulement pour son pays. Deuxièmement, il a gravi tous les échelons au niveau de l'administration, arrivé au Premier ministre. Il a eu l'opportunité, le président Conte était malade, de rencontrer plusieurs hommes d'État. Okay? Donc je dis que s'il vient, c'est facile pour lui d'y aller. Donc, à la faveur de la campagne, moi je l'ai supporté, j'ai fait la campagne avec lui et tout et tout. Donc, je dirais, nos relations, c'est des relations de grand frère à petit frère. Je l'ai supporté de la meilleure façon que je pouvais. Mais est-ce que j'étais militant de l'UFDG? J'étais beaucoup plus sympathisant parce que je n'ai pas le cas. Pourquoi? Parce que j'avais un devoir de réserve. Je travaille dans une institution internationale. En ce moment, c'était la BAT, où la Guinée est actionnaire. Il était difficile, pas impossible pour moi de faire ouvertement la politique. Et je vais vous faire rigoler une anecdote. Quand il a fait sa tournée en 2010, ils sont passés par Tibé Madina. Et il est parti. Quand je suis arrivé, rentré à Jeddah, à Tunis, première question, quand je rencontre les gens, ah, on t'a vu. Je dis, comment ça, on t'a vu? Non, on t'a vu. Je dis, non, mais pas à la campagne. Je dis, quelle campagne? Et on t'a vu sur l'Afrique. Quand il est venu à Tibé Madina, on t'a vu. Le président de la banque m'a convoqué, il dit, tu veux faire de la politique, tu me dis, je te donne un package, tu t'envoies, mais tu ne peux pas faire de la politique. Ça, c'était une anecdote. Donc, nos relations, ça a été de cette relation, j'ai essayé de la supporter de la meilleure façon possible, parce que je me disais, quand il arrive aux affaires, ce serait bon pour le pays. Bon, la situation qu'il vit actuellement, je suis parti 30 ans. Je ne suis pas dans ce pays. Je pouvais venir quand je veux, mais c'est dur d'être expatrié, surtout quand on ne peut pas venir chez soi. C'est très dur de venir, de ne pas pouvoir venir chez soi, surtout que lui, il a grandi ici, il a passé toute sa vie. Moi, on dirait que je suis parti après 30 ans, mais mes attaches, c'est là. Mes copains, mes amis, ma famille, elle est ici. Donc, c'est un peu difficile. D'aller en exil. Tout ce que je sais, c'est ce que je vois à la télé, comme tout le monde, les raisons, est-ce que c'est les vraies raisons, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est les vraies raisons, mais je sympathie avec lui, le fait qu'aujourd'hui, pour une raison quelconque, il est dans un pays limitrophe et il ne peut pas rentrer chez lui.